Filigrane, a.k.a. Filler Nooch. On est à Trois-Rivières pour la tournée World Up 2013. Trois-Rivières, stand up! Yeah! Full battle going down, main event, co-host Le Glombe. What up, c'est Le Glombe. MC, c'est à ma droite. Yo, je fais pas de battle, je suis juste venu en week-end à Trois-Rivières, qui est une jolie, jolie ville. Je suis avec Crack Star, joli garçon. Freddy Groussom, joli garçon. Nino Ice, très joli garçon, les filles. Cap, super joli garçon. Poker est là aussi, joli garçon. Scap, joli garçon. Tout le monde est joli. Le Scap. À ma gauche, présente-toi. J'analyse avant de m'engager. Je canalise l'énergie au lieu de m'enrager. Je banalise les chicanes des ans passés si elles me paralysent quand je pourrais avancer. Escape.net. Tout battle going down. Les choses se passent. Les parachutes se déploient. Donnie, t'es à ma droite, pile ou face? Pile. C'est face. Tu commences ou il commence? Vas-y. On time pas le truc illimité. Gardez-vous. Catch the word up, the word up, word up! Word up! Si tu veux pas que je te chambre, arrête le chambre. Faut que tu te laves, tu te changes, car t'en pèses la pièce. T'as voulu m'affronter avec un swag de mendiant, so je viens te rendre la monnaie de ta pièce. Ok. J'plie, pille et pisse sur cette piste à pète. Ta vie hippie ressemble à la mienne avant que le vice m'affecte. T'as le cœur pur, hein, j'suis sûr que t'as le Christ avec. Vous, je vous ai demandé un adversaire frais avec une fiche parfaite. Vous me sortez un sosie d'Artagnan qui a fumé trop de cristal mètre. Avoir l'air d'une guenon en guenille, ça donne un style de grévis qui résiste. Mais tu sais quoi, le savon, à l'inverse des skills de Giroud, c'est un truc qui existe. Avec ton clan de redneck hippie, vous vivez votre vie de partage à la cool. Vous allez pas à l'épicerie, non? Vous faites les routes pour trouver des carcasses de raccoons. Votre vie est triste comme dans Magnolia. C'est pour ça qu'elle me dégoûta. Votre cuisine, c'est la maison des horreurs. Elle ferait peur à Luca Rocco Magnota. C'est ce qui se passe quand on mange du chat. Toi, plus je te regarde, plus je me dis que t'es un Rita, t'as genre 3 ans. Mais en, c'est quoi cette manie que vous avez d'écrire sur vos vêtements? Cheveux pourris, dents pourries, style pourri, c'est ça plus ça. En fait, faites pas de battle, mais un concours qui sera le plus sale. Ok. Et y'a claque des MVP. Bitch, quand tu rapes, ça sent le moisi comme quand ta mère desserre les cuisses. À côté de chez vous, au Schlaga, c'est genre Beverly Hills. London style, j'cal, j't'enlève ce qui te reste de vie. Dans le Dodi où vit ta famille pourrie, les seuls animaux de compagnie sont les punaises de lit. Bitch, tu pues les pieds, je devais te signifier. Avec l'argent du battle, achète-toi pas de bière. File donc t'acheter une dignité. Bars! Okay. Donc ça dit, merci Philly, enfin le genre d'adversaire que je mérite. Fuck non, je mérite de battle l'élite. Mais des fois je me demande s'il y a une élite qui existe. C'est qui innove, c'est qui est le shit. Ça a l'air c'est Jam qu'on suspecte, mais moi je m'en tabarnak. Je suis le seul qui est assez real pour leur mettre à sa place. Jam, pour vrai c'est insignifiant, t'aurais dû te taire. T'es pas plus intelligent, t'es juste moins vulgaire. Je m'en crisse, tu trouves tes farces de fif plus artistiques. Mais tu peux pas catch ce shit, t'es pas un activiste. Fuck tous ces combattants, ils pensent qu'ils ont un talent immense. Pourquoi les mettre dans des boîtes, c'est déjà là-dedans qu'ils pensent. Toi comme moi, certains ont pu y voir quelque chose qui s'approche d'un match miroir. C'est que même si le jeu c'est d'être un peu des gladiateurs pour un public qui adore les donneurs de supplices et de la mort, on mentionne l'honneur, la justice et le savoir. Quand moi je parle de ça, c'est méga fat, ça honte. Tu parles de ça, c'est plate à fond. Sauf qu'on partoue jamais à scat, sale con. Je parle du real et du style pour sauver les âmes perdues. Tu fais sembler futile et stupide de parler de vertu. Tes messages sont pas dope, sont juste sérieux. Puis tes passages de joke, ils sucent des queues. Tu crois que t'as des skills fantastiques quand je pense qu'on se colisserait toi sans ta ligue en France. Rendez-vous compte, aimez ce gars, c'était bête.
Pis le scap est-ce que VK essaie d'être? Heureusement, t'as une autre force dans ce rap-jeu. Oui, Donny, c'est lui qui rappe mieux. N'importe qui depuis ton smart trouve le flow down weak. T'as pas un bon flow de rap juste parce que t'es on beat. C'est un grand coup de hard truth que je te kill easy. Tu t'imagines un flow hard truth. Lil Jimmy, première fois que t'as dit tu rappes mieux, je pensais que tu es trop laid. Ton flow est pas bon, c'est pas vrai, en fait il est vraiment trop laid. À son meilleur, il est moyen, pis en moyenne, il est mauvais. Bitch, t'es grand matin si tu pensais qu'il y en est. T'as entendu Busta Rhyme, t'as entendu Tech N9ne. Tu penses quand même que ton flow c'est shit, t'es un schizophrène. Le homeboy Donny, moi je trouve il est pas chanceux. C'est fort, c'est le message pis le flow, pis il est poche d'un deux. Yeah, j'ai la graine d'un poney. T'as vraiment fait rimer trolley avec trolley? Je vais pas dire que je t'haïs en tant qu'humain car tu sais que c'est faux. Aussi vrai que tu m'as donné plein de props puis que tu m'as dit que t'aimes mais chaud. Tu sais que mon pic est chaud qui trace des ex sur les rappeurs ex et mo. Quand je pense à ces putes dans mon cœur, c'est haine et violence ex et co. Je connais par habitude l'attitude qu'ils véhiculent sur pellicule. Sont attirés par les flashs, font les divas pour de petits pécules. Après un battle sur l'argentique, se prennent pour des edge to de iso. À contre-jour, la balance des blancs ne fait pas une belle photo. Vous êtes tous des clichés, pour ça que j'en ressors le négatif. J'ai mis ma lentille sur mon canon pour développer mes objectifs. J'ai le teint mat, mais je reste brillant. Au tirage, vous auriez dû déclarer forfait. Si je vous parle de photos, c'est que j'ai vraiment envie de vous tirer le portrait. Burst. Ok. Scap, check, je suis ton modèle. Haine et savoir, puis talent irradiant. J'aurais bien fait comme Obélix des Gunbar. Mais ces merdes-là, ça tire à blanc. Ok. Scapi, on va parler de tes amis. Compte jamais sur eux, tu seras grave déçu. Le jour où tu prendras feu, ce sera aussi le jour où ils arrêteront de te cracher dessus. Yep. Moi, faut que j'arrête d'être chiant. Faut que je fasse rire les gens, donc je vais peut-être parler de ta maman. Non, j'en ai plus rien à foutre. Donny 3.0, ouais. Je suis trop marrant. Appelez-moi Zeus. Appelez-moi Zeus. J'ai fait mouiller les naïades et j'ai même mis le feu à la poudre. À la foudre. Toi, t'es tellement maigre et sec, ta blonde m'a dit que t'es éjaculé en poudre. J'ai dit éjaculé, mon boulot ici est fini, time. Ça dit... Des pensées pour du linge, pour les dommages finis. Ce que j'ai sur le dos, ça a coûté 2,5 piastres. Sauf pourquoi payer bêtement pour tes vêtements léquants, t'es moins bien attriqué qu'un hippie habillé d'un friperie. Le hip-hop est né de la pauvreté. Les gens étaient méga broke, je sais qu'ils avaient pas de cash pour des vêtements à mode. Mais ils auraient pu aller au Saint-Vincent à bord puis se faire un outfit complètement sacoche. Quand l'esprit hip-hop s'applique, il prend du linge cheapos gratis, il porte de manière innovatrice, il dessine dessus, dessous, il match-up, il fait des trous, il découle, il rack mode. Puis qu'est-ce qui est fou, c'est que ça finit que c'est ça la mode. Si ton accoutrement, ça coûte de 100 piastres, dégage. Le coût accru d'une mode censée être au goût de la rue, c'est cave. En plus, tu vends du linge avec des dessins crétins à l'avant qui parlent d'argent. Style cash money. L'ironie qu'il y a là-dedans, je trouve ça frappant. Le linge est payé par des jeunes achalants le 4 par an. Vendu par une boutique qui fera faillite d'ici 3-4 ans. Money, right? Donny, t'es fourni tight. T'as spit que tu veux le good life de Kanye pis T-Pain. Calisse. Tu joues les righteous dudes, mais tu rêves d'être une pop bitch. J'ai catché, t'es all about le cash, mais par l'acheter, tu dois le cacher. Je dois clasher cette biatch et tâcher de casser sa réputation d'acheter. Tu rêves d'être un vendu, mais personne veut t'acheter. Tu penses à côté de l'essentiel, c'est démentiel. Fuck ce sapé, il vient au Québec essayer de mettre la main sur le rêve américain. Ton rêve inclut d'avoir une Cadillac, que ton shop il marche, que le monde achète ta maudite crap. Pis vieux dommage. Imagine un été paradisiaque sur le bord d'un joli lac en milieu sauvage. Fuck T-Pain, donne sac. Tu devrais rêver au good life de Lost, it's cap. Scapi, je suis la vie et je suis belle même sous le seuil de la pauvreté. Scapi, beau maillé.
Yo, fuck T-Pain, je veux le jet de Jay-Z, je vais pas faire le falche. Se cacher derrière tes arguments, c'est ce qu'on fait quand on a grandi avec du cash. Ok, je vais pas dire que je t'haïs en tant qu'humain, car tu sais que c'est faux. Aussi vrai que je l'ai déjà fait tout à l'heure, donc je vais faire mon troisième round. Ok. Yo, je t'apprécie en tant qu'humain, c'est vrai de vrai. Dans ce game rempli de putes, t'es un des seuls purs refrains. T'es venu dans mon shop avec ton gosse, ta femme et ses enfants. Je ferai pas de joke sur ta famille car je les ai trouvés vraiment touchants. Mais tu sais ce que je trouve navrant? C'est que tu perds ton temps à donner de l'attention à ses enfants au lieu d'en donner plus à tes enfants. Mais Scarpe, t'es un bon père, je te jure, je t'ai vu à l'œuvre. Il devrait y en avoir plus comme toi dans ce monde de barges. Faut que t'arrêtes le rap et pour que t'es quitte, tu prennes le large. Par loin des gun bars, des coups de Trafalgar, Giroué du speed. Par lire des livres à Rimouski, le battle rap, c'est pas un bon exemple pour tes kids. Même si je sais que tu leur parles des valeurs du hip-hop et de ce que tu donnes avec ça. Mais dans ce milieu, jalousie, petitesse d'esprit, c'est ce qu'on donne avec ça. C'est comme tes textes, je les respecte. C'est mon shit, man. Mais le problème, c'est que tu les rappes tellement mal que quand tu spites, KRS-One a le goût de s'ouvrir les veines. Yep. T'as une tête de prophète, bro. Tu ressembles à Jésus qui vient de sortir de Marie dans l'étable. T'as des discours qui méritent d'être écoutés. Le problème, c'est qu'ils sont inécoutables. Là, je digresse. Je vais parler des fils de la cam et de l'inceste. Des ex-rockers qui aiment taper la cesse. Ou des hippies stress choqués de voir des fils taper les fesses. Ou bien des mecs qui parlent de rue. Laisse, plus de balles, peuvent pas stopper la verse. Au hip-hop, qu'est-ce qu'ils connaissent? Battle MC, tu es né sur YouTube. Ta mère, c'est la caméra de Zef. Mon optique pour les types typiques de type ticon, c'est de les égorger comme à Téhéran. Stipulant que mon style est strict et strident. Mettez pas les pieds dans ce bise, refourez vos nez dans le speed. J'ai pas vraiment le goût de me faire juger par des G's qui ont jamais mis un pied dans le street. Le scap du scap, j'en ai rien à foutre. Lui, je l'aime bien, je le respecte. C'est avec vos dépouilles que je veux danser en dessous de mon totem. Dans ma vie, j'ai jamais eu pour rêve d'être le modèle de 2-3 frustrés qui ont pour maison leur modem. Mets donc des points de réputation dans la chatte à ta mère. C'est dit. Le racisme c'est vraiment laid, j'en fais même pas quand je niaise. J'ai rien contre les Français, puis j'aime beaucoup les Françaises. Mais c'est pas raciste, c'est juste un fait, y'a rien de plus clair. Les top 3 du 07, outbar celui des RC. Pourtant, RC c'est la ligue d'un pays surpeuplé. 07 c'est d'une région qui capote sur Meunier. Je voulais te montrer que je pouvais te battre à tes forces et c'est fait. Maintenant check, je te massacre à tes faiblesses. So c'est impossible, tu wins ça, c'est-tu clair? Aucune barre, les lignes rentrent pas, cellulaire. Si les RC parlaient les rêves, vous seriez dans des beaux draps. Word up est au RC, ce que Pepsi est au RC Cola. Oh! T'es fucking a whack, t'es pas le king a past une ligue de map. T'es pas digne de scap, je domine ce cap, je win ce match. J'arrive avec des bars sur S comme un signe de pièce. Mon style, c'est qu'il donne, ça pourrait goddamn kill drama. Certains patterns, c'était long avant que le bout vienne pis frappa. Mais quand il vient, il écrase l'adversaire. It's the end, bitch, j'suis là-bas. Tout le monde veut faire des punch. Moi, j'fais des gems qui dama. J'pourrais te tuer qu'un harmonica ou une flûte de pan. Pendant que j'suis dans mes poches pour te tuer vraiment. Pan pan. T'as la face de bitch de l'ami de Bambi. Pan pan, personne peut savoir. Personne peut savoir si t'as des balls sans avoir fait pan pan. J'y vais, âme bourgeois, t'auras des boulettes dans la bouche. Âme bourgeois, boulettes dans la bouche. So je grave un hostie de tech, je vide tout le magasin dans Donnie S, puis je fais quand même moins de trous que le magasin de Donnie S. Y'en a les gun bars, ils aiment pas ça, ils trouvent ça loufoque d'enfer. Au pays, je punk pas de gun, je t'envoie sous le sol en enfer avec une arc. Flèche sur S comme une boussole à l'envers. Pis à la fin, ça dit clac, 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 clac!
Ça dira bien ce que Scap voudra. Juste mon Dragon Ball shit te met dans une boîte. Ma fouba! T'es plus fake que Monday Night Raw done. Si t'étais pas le boss des ASC, tu ballerais à Raw done. J'me collise bien de ce que sera done. J'vais le tuer en étant plus fucking raw. Done. Done! Nice! Oh.